qu'est-ce qu'on retient en fait des princes et des princesses, des contes d'enfants quand on est adulte, qu'est-ce qui nous reste. Et puis du coup de se replonger dans la lecture de ces contes qui finalement véhiculent énormément de choses, puisque quand on est enfant on a une première lecture, mais la plupart des auteurs de ces contes en leur temps les ont écrits souvent pour les adultes et souvent pour dénoncer les pouvoirs en place ou pour mettre le doigt sur des problèmes spécifiques des sociétés de leurs époques. À peindre ainsi ton corps, Marie, je m'éternise. À quel âge veux-tu que je l'immortalise?